Bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay. Nous continuons Métro 2033 dans des conditions qui, j'espère, seront meilleures que celles de, eh bien, des sessions précédentes. Donc c'est parti, là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de lancer le jeu. Ok. Ok, jouer. Jouer à Métro. Et si je fais ça, normalement... Vous avez le jeu. Ok, parfait. Pas top Métro 2033 sur ton PC, il date pas d'hier le jeu pourtant. Écoute, salut Ayate, justement, et c'est ce qui nous a rendu fous la dernière session. Merci Jules, je te fais des gros bisous. Merci, merci. Ah non, si, c'est bon. C'est ce qui nous a rendu fous à la dernière session, c'est que c'était un jeu de 2010, là c'est la version Redux, donc qui a été révisée en 2014, et le jeu est dégueulasse. Voilà. Allez, on y va. Bah, il m'a relancé ça. Ok, salut, salut Kart, comment ça va? Tu arrives pile à temps pour la fête. Le dépôt souterrain était un endroit effrayant. Et je n'avais aucune idée où chercher, ni quoi. Et je me refusais à croire que tous mes efforts avaient été vains. Suspension Nvidia sur un jeu PS4. Je suis sur PC là, hein. je suis complètement sur PC. Ils ont révisé quoi sur cette version 2014, la config minimum? Je sais pas, bah les graphismes un petit peu. Et après, bonne question. Ok, alors. Attendez, bougez pas, j'ai juste changé de place. Voilà, ma petite bouteille d'eau. Je vais tirer ça ici aussi. Et moi, je suis censée aller par là. Est-ce que je suis censée descendre? Non, il me semblait qu'on était montés, nous, pour le coup. Ouais, non, définitivement, faut que j'aille. Voilà. Pouni. Je reprends mon point de contrôle. Excusez-moi. Salut Knight, comment ça va? Salut Mr. Helmut. Bonsoir, c'est la fatigue post-Gamescom. Gamescom. Bon, comment c'était? Est-ce que t'as pu, tester Sekiro? Ok. J'imagine qu'il va falloir descendre. Ok, et on est pas mal là. Ok, dites-moi qu'il y a un truc intéressant par ici. Salut Boards of Canada, salut salut. Et je vois que je suis à 36% au niveau du GPU, 40% pour le CPU. Donc écoutez, tout streamer en 720, ça a l'air pas si mal. Hein. En fait, y a rien ici. Non, il y a l'air de rien y avoir, ok, c'est pas grave. J'aurais pas été contre un petit peu de loot, mais soit. Ah, attendez, il y a là-bas, sinon. C'était très bien, trop de rendez-vous cool. Spoiler alert, Sekiro, ça défonce. Ah, je vais avoir trop envie d'y jouer. Ok, je me demande si là-bas... y arriver et si oui comment. C'était peut-être là-bas la dernière fois et c'était peut-être avant, on va voir. Donc elle était minimum. Non, je suis en maximum de la résolution si je ne dis pas de bêtises.
Ok, la carte. Ok, parfait. J'avais trouvé les documents D6, mais Melnik n'était pas encore revenu. Sans son aide, je n'étais pas certain de pouvoir sortir vivant de la bibliothèque. Mais tout reposait sur cela. Tu conduis pour 50 balles. Alors t'as réussi, Artyom. J'avais des doutes, pour être honnête. T'as trouvé quelque chose? Allez, en selle! Alors, où on va? À l'église, Artyom. Est-ce que le nom de Khan te dit quelque chose? C'est lui qui nous a aidé à trouver. J'ignore encore comment il s'y est pris. Ça vous dirait un peu de musique? Bien sûr, vas-y. Salut, qui j'ai vu tout à l'heure arriver qui demandait si on était sur console. Non, on est toujours sur PC, mais en 720 et ça a l'air d'aller pas mal mieux. Que ce serait la guerre ultime. Je surveillais la radio, j'ai capté pas mal de trucs bizarres. Boards of Canada Stalker, je sais pas du tout, il faudrait parce que ça fait partie des jeux que j'ai jamais fait et ça fait partie de mes lacunes. Donc pourquoi pas, carrément. Salut Tranduille. Ah, ça fait du bien quand ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi une église? Simplement pour l'épaisseur des murs? Ou bien les compagnons de Miller croient-ils vraiment que ça les protégera mieux que tout autre bâtiment? Je suis surpris de voir que ces gens qui regardent la mort dans les yeux sans scier et qui ont l'habitude de sa présence, recherchaient la protection des cieux. Les rangers n'en parlent pas, mais j'ai remarqué que nombre d'entre eux portent des croix sous leurs vêtements. Quelqu'un m'a dit un jour que le monde s'était comme retourné après l'apocalypse, l'enfer s'était retrouvé sur terre et les hommes ont dû se réfugier dans d'anciens royaumes souterrains de l'enfer. C'est pour cette raison que les vieilles églises à la surface sont censées être les meilleurs refuges qui soient. Je n'en suis pas convaincu, mais les icônes et les fresques qui ornent les murs de ce lieu saint m'inspirent un certain calme intérieur, comme si nous autres pécheurs, nous pouvions encore espérer l'absolution pour la destruction du monde. Enfin, prier pour le salut ne coûte rien. C'est vrai. Personne ne croyait à la disparition de Moscou. Ouais, je m'attirais le mauvais œil. Salut Dorodudo, du coup je crois que c'était toi qui posais la question. Salut, salut. Salut Spenfox. Je pouvais rien faire. Ok, je pense qu'on est... On doit être au deuxième tiers du jeu là, hein. Très facilement deuxième tiers. Choisis ce que tu veux. Salut Vladimir, merci beaucoup. J'apprécie. Tu trouveras pas de trucs pareils dans le métro. C'est l'équipement militaire dernier cri. Ah, alors ça m'intéresse. Canon étendu. 4 canons, c'est ce que j'ai déjà, non? Oui, je crois que le petit machin, ça doit vouloir dire que c'est ce que j'ai déjà. Et alors là... Moi j'ai... Qui augmente la précision de l'arme, sinon j'ai quoi? Le viseur laser permet de viser facilement à courte portée, de réussir des tirs avec précision. Permet de manier plus facilement en diminuant le recul. Non, c'est pas mal. Et alors ça, par contre, c'était quoi? Ça, j'aimerais bien ça le personnaliser. Ça provoque de sacré carnage. C'est moi qui te le dis. J'ai un viseur infrarouge, j'ai un viseur réflexe, un viseur x2. Non, ça peut être bien. Ok.
Ok, salut Déo, comment ça va? Non, non, ça, je viens de commencer là, t'inquiète pas. T'es pas en retard. Ouais, je suis pas loin de la fin, bon. Je me sentirais obligée de passer sur le deuxième, sur PC. Ça a mal tourné. Ok. Ok, ok. J'imagine que je dois aller par ici. Ah, salut Artyom! Salut. Je peux tous les mettre, mais on est d'accord qu'ils y étaient déjà, hein. Attendez, je suis pas sûre là. Pardon, excusez-moi, je me permets de revenir au niveau de la personnalisation. Ah non, peut-être pas. Si, ça c'est bon, ça y est déjà. Oui. Et ça, je l'ai déjà, et ça... Ah, j'ai pas de viseur, c'est vrai. Viseur réflexe, c'est un viseur d'avant-guerre qui permet de viser plus facilement à courte et moyenne portée sans trop réduire le champ de vision. C'est une technologie qui permet de toucher avec précision les cibles dans le noir. Ça, c'est un viseur optique d'avant-guerre qui permet de viser plus facilement à moyenne portée, mais limite le champ de vision. Il est donc difficile à utiliser dans les tunnels. Oh. L'infrarouge, il peut être bien. J'imagine que je vais pas être détecté avec l'infrarouge. Après, celui-ci peut être cool aussi. Hein. Hmm. Je serais bien tenté par celui-ci, mais... Oh, désolé. Ok. On va voir ce que ça donne. Je peux tester ou pas? Non, bien évidemment, ça va être la surprise là. Peut-être que j'ai fait quelque chose de... Peut-être que j'ai fait quelque chose de trop dégueu, mais écoutez, j'ai l'impression qu'on ne saura pas. Donc c'est pas grave. Ouais, j'ai déjà une vision nocturne, ouais. Là, j'ai pris... je crois que j'ai pris la x2, hein, c'est ça? Je ne sais plus. Ok, c'est joli. Normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai pu, je me suis permise voilà, de remettre les graphismes en très haut, comme ça au moins, même si c'est du 720, vous aurez quelque chose de joli au niveau de l'image. J'ai dit qu'on se reverrait. Il n'y a pas grand chose d'utile là-dedans, des pistes tout au plus, même si ces documents donnent le chemin vers D6, notre prochaine destination. T'es prêt? Ouais, vas-y, je suis prêt. Donc c'est bon? Tout est prêt, Ullman? Le bois est coupé. Vladimir? L'équipement est prêt. Et vous, les gars? Prêt. On bouge, alors. Très bien. Tu connais cette voix? C'est la voix de... On avait dit que c'était la voix de Sullivan, hein, c'est ça, dans... Dans... dans les Uncharted? Ok, je suis... José Lucchini, d'accord, je connaissais pas son nom. Ok. Ah, ok. Oui, il a un rire très très caractéristique, ouais, carrément. C'est ça, c'est la VF de Victor Sullivan dans Uncharted. Donc j'ai terminé de refaire la trilogie en remaster, elle est géniale, hein, ils sont géniaux. Ah, très clairement... Très très chouette, y'a quoi ici? Y'a rien. Ok, c'est pas grave, je trace. Et salut, Doidoir, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. C'est la voix de Baird dans Gears of War. Ah, c'est possible. Merci Elodie, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour le sub. Merci, merci. Je sais que t'es dans le chat, du coup je, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Normalement, je t'ai déjà dit bonjour, mais. Mais merci beaucoup. Sombre. Des bruits de ferraille et l'odeur de la mort. C'est ainsi que notre voyage vers D6 avait commencé. Mais notre but semblait plus proche à présent. Et salut Doidoir, merci beaucoup pour le follow, tiens, maintenant que je te vois dans le chat, salut à toi. Je regarde où est D6, excusez-moi, je me permets... Ça y est, je vois. On est à l'intérieur du cercle. Il y a différents moyens d'arriver à D6. Le plus court, c'est de passer par les installations près de Kievskaya. On va essayer ce chemin. Kievskaya? J'ai entendu des choses étranges à propos de cette station. Il y a eu une explosion dans le tunnel et de nombreuses personnes ont été enterrées vivantes. La rumeur dit qu'elles ont survécu, mais qu'elles ne ressemblent plus à des humains. On raconte aussi que des phénomènes étranges se produisent dans ce tunnel.
s'est passé. Artyom, tu vas bien? Tu peux tenir debout? Artyom, qu'est-ce qui t'a pris? On arrive! Il y a un sas ici! Bien, on s'arrête ici. Bon sang. Cet endroit me file la chair de poule. Boris, jette un œil à la porte. Contrôle est réduite en miettes. Toutes les lignes sont coupées. Vlad, prépare tes outils, on doit ouvrir cette porte. Artyom, reste ici et couvre-nous, il faut pas de mauvaises surprises. Merde, c'était trop beau pour être vrai. Surveillez vos arrières, les gars. Très bien. Oh. Très bien. Vladimir, trouve le plan du premier bâtiment. Ullman, regarde ça. D'abord, on relie les câbles, puis à mon signal, on allume les interrupteurs. Il y a quelque chose là-bas. Ignore-le! Les Nosalis! Eh ben, venez. Là, normalement, je l'ai chargé à fond, ça devrait aller. Et merci encore, Elodie, je te fais des gros bisous et salut, salut Ben, merci beaucoup pour le follow. Oh, oui, oui, on se calme. Ils ont l'air d'être extrêmement sensibles au feu. Alors, dans le roman, en fait, c'est les rats qui sont sensibles au feu, de mémoire. Et en fait, sur les drésines, enfin, les drésines qui, du coup, sont bien équipées, donc les espèces de chariots qui permettent d'aller de station en station, eh bien, il y a des... Ça s'approche. Il y a des lance-flammes pour pouvoir repousser les rats. Vite. Ah oui, oui, oui. Sang. On se mange ou on est mort. C'est bon, la porte est ouverte. Maniez-vous, maniez-vous. Merde, j'arrive pas à démarrer. Allez, les gars, on... Oh, oui, oui, oui. Oh, oh, le bug. Non. Oh. Donc là hein, pour le coup, encore une fois, je suis à 24%, 19%, donc on n'est pas... voilà, c'est définitivement pas un problème qui vient de mon PC, on est d'accord. C'est parti, je relance. Il y a un problème avec le lancement. Oui, je sais. Salut Chicken Tear, comment ça va? Allez, on y retourne. C'est le clavier. Eh bien, bien, oui, j'imagine. Allez, c'est parti. Normalement, je suis toujours... Oui, oui, je suis en live, on est d'accord. Ça a pas... C'est normal, c'est le jeu qui est comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Pardon, je dis que je parlais pas de l'optique. Un tunnel sombre, des bruits de ferraille et l'odeur de la mort. C'est ainsi que notre voyage vers D6 avait commencé. Mais notre but semblait plus proche à présent. J'imagine que je vais devoir par contre refaire la séquence. Là-bas. Oui, oui, oui. Allez, bougez pas.
Ça va, c'était assez rapide. Ignore-le. Les Nosalis. Eh ben venez les gars, je crois que je suis en train de nous cramer la drésine. Non, ça va, je gère. Non, j'ai pas le temps. Hop, voilà. Je me souviens qu'à la fin... Oh, quoi que non, j'avais eu assez pour jusqu'à la fin. Si je fais pas de bêtises, normalement, je dois avoir assez de carburant. Quelques-uns qui arrivent encore. Ah, j'ai un succès chasseur, mais également pyromane. J'accepte cette distinction. Ok. Allez, c'est bon, il y a quasiment... Ça s'approche ! Merde ! On en a loupé un ! Vite ! Et salut, mage. On se mange ou on est mort. C'est du chicken soup. La porte est ouverte. Allez, merde, j'arrive pas à démarrer. Allez les gars, on part d'ici. Y être encore. Salut Knight. Salut. Ok, on reprend nos esprits. On a encore une longue route devant nous. Bon, les gars, c'est la porte qui mène à D6. C'est quoi? Merde. Ok, je retrouve mes flingues normaux. Ça, ce serait plus pour des gens. Alors oui, alors qu'est-ce que j'ai pris? Moi, normalement, j'ai pris une visée... Ah ouais, non, j'ai pas pris la fois 2 du tout. Hein. J'ai pris un truc un petit peu fifou. Ouais, bon, en fait. Allons-y! Le chaos du tunnel était enfermé derrière les portes du sas. Elles avaient l'air indestructibles. Et à cet instant, mes camarades aussi. Oui. Alors attendez, bougez pas, je fais juste un petit retour bureau. Je pense qu'il va pas aimer ça, mais voilà. Ok, désolé, je relance. Tac. Et salut Légion, merci beaucoup pour le follow. Bien sûr, à toi. Très bien, on a réussi à passer. On va essayer de faire ça vite et bien. Holman, tu diriges l'équipe d'assaut. Boris et Stepan, vous couvrez le comic. Artyom et Vladimir, restez près de moi. Allez, on y va. Pourquoi se dépêcher, colonel ? Salut, Chubizouawa, comment ça va ? Ok, j'ai une vision nocturne, si je ne dis pas de bêtises. Ok, ce qui me permet de voir pas mal de choses. On est pas mal du tout. Si j'ai rien... J'ai l'impression qu'il s'est lancé en... Ouais, pourtant, si, je suis bien à 720x1080, j'ai l'impression que l'image est plus dégueu que tout à l'heure, non? C'est moi qui craque. L'image en elle-même, non, c'est juste les... comment on appelle ça? C'est juste les menus. Regardez, quelqu'un a laissé un squelette ici. Ça vous tente un petit souvenir? Quand on sera à la station, tu nettoieras les tunnels avec une brosse à dents. Oui, mon maréchal. Ouais, on est vraiment dans le noir complet, là. Oh, ceci dit, je pourrais peut-être allumer ma lampe. Ah, j'ai un problème avec ma lampe. Ah, faut bouger pas. Ok. J'ai pas vu ce qu'il m'a demandé du coup. Dommage qu'il soit ici. Hein ?
marche, ça fonctionne. J'ai fait ce qu'il fallait. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ça fait du bruit. Je vais bien, oui, c'est juste que... Oh, une clé. Ok, très bien. De l'argent, une clé, ça je prends. Donc ça, on est d'accord, je ne peux pas ouvrir. Donc ça, ça a l'air bon. Et où est-ce que ça mène? Ok, j'ai fait un truc, mais je ne sais pas si... Ah, attendez, bougez pas, c'est bon, c'est ça. J'avais pas fait son bio sur Wii U, non. Il vient de décrocher une médaille. Ullman, jette un œil aux égouts. Ah non, je peux pas y aller. C'est sombre, j'ai peur. Vulgarité, ça. Je suis pas vulgaire. Vraiment, et j'ai marché dedans. Mais c'est bon signe. C'est pas un signe, c'est un présage. S'il y a de la merde, ça veut dire qu'on a de la compagnie. C'est pas fou. Ah oui, attendez, je suis pas prête. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis trompée de bouton. Attendez. Ah. C'est bon. Écoutez, l'attaque est la meilleure des défenses. Oui. Vladimir, tu vas avec Artyom. Et vous restez à l'arrière tous les deux. Ok? On y va. Ah, ok. Colonel, je peux pas me battre dans ces conditions. Ça fait tellement que j'ai perdu l'odorat. Ullman, j'espérais que ça te ferait perdre ton sens de l'humour. Ah, une petite note. On va s'empresser de lire, tout semble aller pour le mieux. Ullman fait toujours les mêmes plaisanteries, mais il leur continue de menacer de tour de garde supplémentaire. Nous approchons du but et plus rien ne peut nous arrêter désormais. D'ailleurs, nous remportons tous nos combats. Hunter avait raison lorsqu'il affirmait qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé de prédateur plus terrifiant que l'homme. Voilà. Oh, ouais, je suis léger. Non. Déchaîné, oui, mais pas trop. Ok, il est mort. Allez, allez. Ah, Kuni. Un verre de gueule pour chaque nosaliste. C'est une bonne idée, un colonel. Va te faire voir. Un autre comique. Bienvenue à toi. Oh, joli. Ok, alors. Alors, je pense que la vision nocturne fait bugger un petit peu le jeu. Il s'est trempé, ça, c'est dans Counter-Strike, non? Alors, attendez, bougez pas. J'ai peut-être rallumé juste ma lampe parce que j'ai l'impression que ça prend moins de ressources. C'est peut-être moi qui craque, hein, mais... Okay. On peut pas mourir deux fois de toute façon. Oui, c'est vrai. Allons-y. Oh, la ferme. On va s'en sortir. Et il y a quand même un côté beaucoup plus terrifiant à jouer dans le noir éclairé par une lampe. On est bien d'accord. Pourquoi tous vers moi? Non, j'ai pas le bon fusil. C'est lui. C'est lui que j'aurais dû utiliser. C'est pas grave. Il l'a changé tout seul. On dirait qu'on est au bout. Regarde ce qu'il y a derrière cette porte.
Ok, y a-t-il quelque chose qui fait pas bugger? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais écoutez, j'ai l'impression que ça se passe mieux. Parce que je suis quand même là, quoi, un 36%. Ouais, je suis à un 40% d'utilisation pros entre le stream, le jeu, tout ça. Et il y a quand même des sérieux bugs. Bon, soit. Je suis désolée, hein, promesse à demi-tenue, on va dire. Mais c'est plus regardable qu'hier. Et on peut même pas le looter. Stéphane. Lily. Stéphane. On y va. Les enfoirés. Boris, je le jure sur ta mémoire. Je les traquerai tant que je serai en vie. Ouais, je sais que... Oh, ok, une petite note. Je me sens toujours coupable de leur mort alors que je ne suis pas vraiment responsable. C'est mon impatience à fêter notre progression fulgurante qui a causé leur perte. Je n'ai pas pu être au bon endroit au bon moment pour aider mes camarades. Pour les arracher aux griffes de la mort, j'ai entraîné des âmes courageuses dans une aventure qui leur a été fatale. Notre petite équipe se réduit comme une peau de chagrin quand j'observe quand j'observe mes mains à la lueur dansante d'un feu de camp. J'ai l'impression qu'elles sont couvertes de sang. Il faut qu'on ouvre la porte. Donne-moi quelques minutes. Tu veux looter tes amis morts? Bah écoute, quitte à ce qu'ils servent plus, autant que... Enfin, je veux dire, quitte à ce qu'ils soient plus là, autant que leur loot serve. Pragmatisme. Encore un peu. Allez, faut y aller. Je suis prête. C'est ouvert. Là, j'ai chargé l'argent. Ok. Et j'y vais pas en premier. Ullman! C'est toujours les boulots les plus intéressants, hein? Il est quand même vachement immersif, je sais pas ce que vous en pensez, mais je... Au-delà des bugs, au-delà des problèmes graphiques qu'il peut avoir... Putain, mais je prends un plaisir monstre à y jouer, quoi. C'est dingue, je pense qu'on fera le 2... on fera sûrement ouais, le second sur PS4 quoi qu'il arrive. J'ai regardé ça. Ce sera un petit peu plus dégueulasse au niveau du gameplay, mais on aura moins de soucis, je pense. Ce sera donc encore plus jouissif. J'essaie de voir si ça peut être des petits trucs intéressants, ça ne dirait pas. Alors bah non, ça est génial, hein. Oh ouais. Maintenant, viens, passe à joindre. C'est notre seule solution. On y va doucement. C'est de toi. Ah, c'est maudit, nos amis. On s'est fait repérer. Alors oui, je pourrais viser, je ne sais pas pourquoi je vise pas. Je fais tout au jugé. Allez, merci Arfocrash, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien, je t'ai pas vu sur le chat, du coup je sais pas si tu es en team sneaky ou pas, mais merci, merci. Je te fais des gros bisous. Pour le coup, c'est vrai, il y a une très grande composante shooter. Hein, qui c'est qui me disait ça, Kinder Maxilol? Mais ça, je savais dès le départ, donc du coup, c'est pas quelque chose qui m'a rebuté. Enfin, c'est quelque chose qui me rebute de base, mais là, je le savais, donc du coup, voilà.
Tac. Yes, bon. Faut arrêter maintenant parce que j'ai plus de balles en fait. Ah. Avancez, 20 balles. Vous arrêtez pas. Ok, je m'arrête pas. Sauf pour le TC ou le chef. C'est la porte qui mène à D6. On y est? On dirait bien. Merde! C'est verrouillé! Oh, ça me surprend pas. Moi non plus. C'est quoi ce truc? On dirait une fichue porte. Allez, on y va. C'est bon. Artyom, inspecte cette pièce. Ok, allons-y. Ça a l'air bien. Ouais, c'est bien rythmé. Encore là, c'est pas le plus intéressant des passages qu'on a eu, Sylvain. Je sais pas combien de streams tu as vu exactement, parce qu'on en est à la troisième soirée sur le jeu. Oh super, j'ai plus de balles. Bien, on va essayer de te rejoindre. En attendant, on cherche une sortie. Bonne chance. Ok, hein. Il faut que je cherche une sortie. Écoutez, je ne saurais pas vous l'expliquer. Sachez juste que ça me rassure de... Ok, c'est bon, non ça va, Bah, par contre faut mourir, parce que, enfin c'est-à-dire j'ai pas non plus, voilà, 12 000 balles, donc voilà, il faut vraiment mourir, ok. Donc ouais, ça me rassure d'être en sneaky comme ça. Je peux pas passer ou... Putain, super. Ah bah non, je peux pas passer parce qu'il fallait que je prenne la porte quoi finalement. Ok, il me faut des balles, des munitions maintenant. En deux séquences, j'ai absolument vidé tout ce que j'avais. Ça m'enchante absolument pas. Comme vous l'imaginez bien, attendez, bougez pas. Non, Marie. C'est pas grave, ça va fonctionner au moins. Ah, ça grouille partout. C'est pas vrai. Là. Une clé, ok. Salut, Dami Marou, merci beaucoup pour le follow. Excuse-moi, bienvenue à toi. Ça, c'est une porte qui a l'air cassable aussi. Yes, un coffre. Oui, il y a plus de piles. Plus de piles dans ma vision nocturne. Alors après, j'ai de l'argent. J'ai allé savoir pourquoi. Est-ce que... Voilà. Ouais, je peux pas passer par là. Si, c'est bon. Ah putain, il est de nouveau là, lui? Ouais, mais je suis revenu là. Ok, donc définitivement, il y a un endroit que j'ai loupé. Là, peut-être? Non, j'y étais, hein.
J'ai l'impression de tourner en rond, je crois que... Il y avait un trou au fond. Là. Je suis pas sûre. Parce que là, vraiment, il y a un petit truc qui me dit qu'il faut que j'aille là-bas. Enfin, j'imagine que les flèches m'aident. J'imagine que la porte ne s'ouvre pas. Attendez, si j'enlève mais... Ah, j'étais dans la bonne direction, j'ai pas vu la porte. Ok. Ok, donc il y a une porte. Je n'ai pas vu. J'ai plus beaucoup de piles. Comment je fais pour en avoir ? Et donc du coup... Ou alors c'est une porte qu'il faut casser encore ? Je crois pas. Hein. C'est pas ça, on est d'accord. Ça s'ouvre pas. Ouais, non, définitivement pas, hein, je crois. Ok, définitivement pas. Alors attendez. Ok, attendez. Là, je fais comment ? Je pense appuyer sur N. Comment est-ce que... Non, non, je sais pas, pour les piles. Ok, c'est pas grave, tant pis, ma flashlight. Flashlight. Attendez. Elle, pour le coup, il faut que je la recharge aussi. J'ai pas fait tout le tour. Oh, ouais, non, c'est sûr, il y a quelque chose que j'ai pas vu, mais je vois pas quoi. Peut-être que c'est pas dans cette pièce-ci, hein. Peut-être que cette pièce-ci, il y avait que ça. Dans cette pièce-là, il y a ça. Et ça. Et oh ! C'est bon, je l'ai. J'ai trouvé. Salut Elkizé, comment ça va ? Ouais, au briquet, sinon... Non, 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 non. J'ai plus de balles, je peux plus rien faire. Non, définitivement je peux pas y retourner. Définitivement je... Tant pis, je continue. Salut Junon, comment ça va? Une petite bougie dans les égouts, ça serait tellement romantique, bien sûr. Ah. Finalement, elle est tellement pratique la vision nocturne, comment est-ce que je peux avoir d'autres piles? C'est super Steden, je suis pas sur PS4, je suis sur PC. Ok, de la vie, mais c'est pas ce que je voulais. Ok, troisième note. J'ai souvent entendu dire que les constructeurs du métro n'ont pas été les premiers à percer les tunnels des galeries sous Moscou. Passage remontant au premier tsar, en effet, mais à jour un réseau de grottes encore plus anciennes de l'origine se perdrait dans la nuit des temps. Leurs mystérieux créateurs ont disparu depuis des millénaires, laissant derrière eux d'interminables souterrains qui semblent ne mener nulle part. Aujourd'hui, peut-être après plus de 100 générations, c'est à mon tour, en tant que dernier survivant, de marcher dans leur pas. Pourquoi je... Il me dit... Je peux pas... Ou alors il me dit que j'ai encore de la batterie, mais... J'ai l'impression que c'est très très faible, non? Je suis revenu au départ. Ouais.
Ok, alors attendez, je suis revenue au départ parce que moi j'aurais pu tout simplement passer par ici, je pense. Et aller par là-bas, et aller là. La vision nocturne se recharge avec la dynamo. Ouais, mais comment est-ce que je suis censée la recharger? Quoi? Génial, parfait, parfait, super. Artyom, ici! Bonjour! Oh mon dieu. Au moins t'es en vie. Putain. Excellent. Non, dites-moi que vous avez des munitions. J'ai pas de munitions. Il y a un son. Vous l'entendez pas? Si, si, mais j'ai pas de munitions. Quelque chose s'approche. J'ai pas de munitions là pour le coup. Hein. Je... Et alors? Génial. Bien, bien, bien. C'est quoi ça? Ça ressemble à un système automatique. Je vais regarder ça. Bah, on y va, hein. Les gars. Pressentiment. Ah non, mais dis pas ça, hein. Bah, on ressort alors. RS. Il n'y a pas d'autre solution. Ok. Je refuse de croire qu'ici il n'y a pas de balles. Excusez-moi, je refais un petit tour, mais je refuse de croire que là il y a. J'ai rien à looter du tout, même pas de quoi, juste, je sais pas, me renflouer une vingtaine de balles de pompe, ou je sais pas, même 10, 8, 4. Attendez-moi. Alors la prochaine station c'est D6. On était proche de D6. On avait du mal à croire qu'on avait trouvé le légendaire centre de commandement. Mais valait-il toutes ces vies perdues? On allait bientôt avoir la réponse. Mettez vos masques à gaz, vite! Ouais, j'ai regardé les banquettes, hein, déjà, il y a l'air de rien y avoir. Là, là déjà, il y a une note. Ok, bougez pas, s'il y a une note, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. On était proche de D6, on avait du mal à croire qu'on avait trouvé le légendaire centre de commandement, mais vas-y, tout s'est vite perdu, on allait bientôt avoir la réponse, il nous l'a dit tout à l'heure. Attention, bordel! Maintenance en maintenance, c'est un peu trop, même pour des structures militaires soviétiques. Regardez tous où vous mettez les pieds, et surtout toi, tiens. D'accord. Ça m'a l'air d'être bon. La salle des commandes devrait être là, on va vérifier. Ullman, Vladimir, restez ici et couvrez nos arrières. On n'est jamais assez prudent. Artyom, avec moi. Chef, oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Dami Maru, excellent. Excusez-moi de vous importuner pendant votre trajet. Vous avez quelques balles de fusil à pompe, fusil sniper. Ah, oh, j'ai... Ok. Ah oh, oui, j'ai dit... Bah oui, mais c'est les fameuses balles que je peux mettre qu'à des humains. Donc les non-humains, ils... Je leur mets ça, ils soudent ma gueule, quoi. Hein, définitivement.
Ok. Moi, je pense que dans le métro, il y en a. Non, définitivement pas. C'est pas grave. Salut Bidule Bidulant, comment ça va? Là. Trop bien. Donc en fait, j'ai de nouveau des piles pour ma vision nocturne. Je sais pas pourquoi est-ce que j'en avais plus, mais écoutez, j'accepte. Donc là, notre mission, hein, c'est bien évidemment d'essayer de trouver des munitions parce que j'en ai plus du tout. Parce que s'il y a un fight qui se déclenche, ben, je suis complètement mal parce que je ne peux pas me défendre. Ce qui vous en conviendrait, bien dommage. Ok. Ouais, à la limite, je pourrais claquer ma thune. Pour la survie. Oubliez ce que j'ai dit. Oh, c'est des balles de sniper. Oh, putain, j'ai pas de sniper. Voilà. Tu sais, je m'imaginais... Je coupe pas papier, je suis concentrée. Là. Là. Du carburant pour... C'est indiqué ici qu'il y a un système de filtration d'air en haut en cas d'urgence. D'accord, c'est pour un lance-flamme que je n'ai pas, donc. Salut Mospeda, comment ça va? Je vais vite fait, je pense que jouer au casque ajoute 2033% de sensations supplémentaires et que c'est un autre jeu. C'est... Ouais, c'est assez immersif. Hein. Il y a un petit problème de spatialisation sonore, mais hormis ça, il y a... J'aime beaucoup l'ambiance. Après, moi, je me laisse assez facilement séduire par les... comment on appelle ça? Par les ambiances, par les propositions post-apocalyptiques, mais bon. Ah non, mais j'ai totalement pas de chance, là. Là, vraiment, c'est... je sais pas où est parti Papineau. On va voir s'il n'y a pas moyen de se faire ce... métro là, mais non, il a l'air complètement fermé. Bon, c'est pas grave. Oui, ça va bien, merci beaucoup. Hey, Melik, ça va ? C'est pas bon. On a surestimé ces machines. Tous ces mécanismes doivent être réparés. Tiens, il y a un système d'allumage auxiliaire. Grimpe sur ce rebord en haut. Je te dirai ce que tu dois faire quand il sera. Je crois que j'y suis. Artyom ! Il devrait y avoir 4 moteurs d'allumage par là ! Trouvez-les ! Oh, ok. Pour faire démarrer ce bordel, tu dois ouvrir les trappes d'abord ! Ok, on va ouvrir les trappes. Salut Acroasis ! C'est super Steden, j'ai pas fait les Dead Space. Je les ai, je ne les ai pas fait. Bosch. Salut Acide. Appuie sur le bouton à mon signal. Quel bouton? Deuxième bouton. Quel bouton? Deuxième bouton. Le deuxième bouton de où? Très bien, soldat.
Tout ce qui est pas de forme, on va essayer d'actionner. Ah, aucune chance. Hollywood sur l'Union. Hey, colonel, ça va? On a failli se planter! Parfait! Retiens mon mot! Pardon, oui, j'arrive, mon capitaine. C'est marrant, mais ça me dit rien qui vaille, je pense que vous non plus, hein. On est d'accord, on n'est pas dupes. Allons au casse-pif, j'ai hâte. Allez! À contre-cœur, je vais prendre ces munitions-là, je peux pas. Heureusement qu'on doit pas tout redescendre. Y a un truc qui tourne pas rond là-bas. Je sais pas encore quoi, mais ouais. Hein. Holman, va à gauche. Professeur, à droite. Artyom, couvre-moi. Si les plans sont corrects, on doit passer par là. Mais comment on peut ouvrir ? Artyom ? Enclenchant la poignée ? Oh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, mais attendez, moi je sais pas. Ok. Si je n'y dis point de bêtises... Et si... Il y avait un truc par ici que j'ai vu... Non ? Là ? Oui. Oh non ! Par contre, ce sont des filtres et ça, c'est plutôt cool. Ok, c'est ça la porte ? J'ai plus de batterie. Par contre, je sais pas comment est-ce que je fais pour recharger mon casque. J'ai l'impression que si je recharge mon casque... Enfin, si je recharge la flashlight, ça recharge le casque aussi, non ? Holman, en route! Ok, du coup, on a bien vu que là, il n'y avait rien. Hein. Pas de... Non, a priori, non. Hein. Wow, bonjour. Oh! Ok, c'est bon. Très léger bug. Ça, je peux pas l'ouvrir. Allez quoi, j'ai juste besoin de... Je peux changer de casque. Mais ce qui me va pas forcément... Là ! Oh ! Merci, ok, c'est pas énorme mais ça fera l'affaire. Ok. J'accepte. Combustible. Beaucoup de combustible, j'ai pas de... J'ai rien, mais c'est pas grave. Je... Ok, ouais, le petit peu de balles que j'ai, ça fera l'affaire. Est-ce que j'ai des balles de pompe? 36, c'est pas énorme non plus, mais ça va. Il y a des trucs intéressants là, genre je sais pas, une clé. Attendez, bougez pas. Ouais, là. C'est quoi ça? Je suis en train de me demander ce que c'est comme... Attendez, bougez pas. Ça consomme quoi comme... Ouais, j'ai un bon combo là. Hein. J'ai un bon combo, je pense. Ouais, non, c'est bon. Holman, tiens la porte. Vladimir, à toi de jouer. T'as besoin de quoi? Laissez-moi réfléchir. Instruction A. Salut Kenny. 4, page 3.
Tableau DS-22. Ah, voilà, c'est là. Superbe mémoire, Vladimir. J'ai toujours dit que l'armée était une bonne institution. Toute cette formation va enfin payer. Ça marche. Ça, c'est du matériel. Excellent. Premier. Mort. Deuxième. HS. Troisième. Quatrième. Cinquième. Huitième. C'est pas possible! Ici. Il y en a un ici. Je vais pouvoir obtenir toutes les infos. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Batterie de secours épuisée. Et le courant principal? Eh bien, on dirait que le... Pouni, Julie. Ok, ça va me calmer. J'ai mal à me faire à l'idée que tout ceci a été construit par des hommes et non par des géants de quelques contes de fées. Et je ne suis pas le seul, la taille monumentale de cet endroit écrase même le jovial Ullman. À quoi servait ce complexe où est passé son personnel et pourquoi personne n'en a jamais entendu parler dans le métro? Et s'il faut croire que les innombrables douilles, j'y arrive, qui tapissent le sol, une bataille acharnée s'est livrée ici. Mais nous n'avons trouvé ni dépouille ni ossement. Qu'a-t-il bien pu se passer? C'est vrai qu'il y a ni dépouille ni ossement. Impossible de le démarrer d'ici. On va le réactiver. Arrête de rire! Comment on peut descendre? Bon. Il y a un ascenseur au niveau juste en dessous. Mais il y a un problème. Pour le mettre en marche, on doit tout éteindre. Même l'éclairage d'urgence. Alors, si on n'a pas le choix, fais-le. Merci, Vlad. Reste ici et surveille les données. On traînera pas. Artyom, Ullman, suivez-moi. Non, et on peut pas dire que c'est moi qui reste ici et qui surveille les données, je sais pas. Ok, très bien. Et salut, Fanfan. Et qui c'est qui demandait... Mince, c'était pas toi, Kinikai, c'est qui... Kassord, je crois, salut à toi, qui demandait comment... Pourquoi le... Oh, attendez, vous savez quoi? Versus 31. Ok, c'est pareil. La différence, c'est que celui-ci, il est fufu. Celui-ci, il ne l'est pas. Maintenant, est-ce qu'on va encore avoir affaire à des gens? Possiblement non. 4. Oh, est-ce que je garde celui-là ou est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je garde l'autre? Je sais pas. Économiste à lumière? Ouais. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'est que c'est dans un monde post-apocalyptique où tout le monde s'est réfugié dans le métro de Moscou. Et... en fait, après, enfin, comment dire, il y a eu des mutations à la surface qui sont opérées sur, bah, voilà, la faune et la flore et tout ça. Et bah, tout le monde vit reclus dans le métro. Il y a des espèces de petits microcosmes. On vit dans des nouvelles sociétés. C'est génial, sauf qu'à un moment, et ben, il y a une menace en fait qui plane sur toutes les galeries de métro et ils savent pas vraiment quoi. Et donc, ce qu'on est censé faire, nous, c'est... qu'est-ce que je fais à propos du gun, là? Est-ce que je garde celui-là ou est-ce que je... Oh, ah, ça se fight! Merde. Je savais que ça allait pas être facile. Voici venus les enfants de l'Apocalypse. Ullman, changement de programme. Tu restes avec Vladimir et tu défends sa position. S'il y a un problème, j'envoie Artyom. Bonne chance à nous tous. Et en fait, bah, l'idée, c'est que nous, on va essayer de trouver comment repousser en fait les machins qui sont en train de s'infiltrer dans le métro. Voilà. Et la mission actuelle, ben, c'est qu'on essaye d'avoir des infos sur les coordonnées de la tour radio. C'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ou des informations sur la suite de notre... je sais faire quoi. Je suis perdu, je sais pas ce que je prends comme fusil, mais bon, celui-là il m'a l'air quand même mieux, je sais pas. Ouais, allez, allons-y. Garde l'autre. Trop tard. Gluant partout. Dégueulasse. Non.
On a le compteur Gégère qui s'emballe. Bon sang. L'ascenseur est là, mais la porte est verrouillée. Ça y est, on va devoir le contourner. Mais je suis où ton flingue? Il est vachement bien. Super. Donc là, je pense qu'ils espéraient que... Enfin, je pense qu'ils s'attendaient à ce que tout le monde garde le lance-flamme. Je ne l'ai pas gardé. Honte à moi, j'aurais dû. Nos petits copains sont ici, à ce que je vois. Venez voir papa, salopard. Non, on leur parle pas mal, s'il te plaît. Ok, donc là, je vais économiser mes munitions un maximum. Hein. Je vais faire un petit peu d'anti-jeu, mais je vais le laisser assurer tant qu'il peut. T'en veux encore ? Viens le chercher ! Mais t'es où ? Il est là. Ça va, ça va. T'es vivant, tu vas bien. Bon sang ! Ok. Mais il a eu ce flingue, il est génial. Oh. J'ai plus que 10 balles. Ça va, j'espère qu'il fonctionne encore. Merci, c'était ton pain drôle. Salut Youpin le lapin, comment ça va? Salut Zorino. Ok, que sont ces créatures? Peut-on seulement leur donner ce nom? Ont-elles émergé des ruines du vieux monde ou ont-elles été créées par une main inconnue? Elles n'ont en tout cas rien de naturel et paraissent régresser à tous les niveaux. Nous pouvons les détruire avant qu'elles ne menacent notre existence comme les sombres. Nous parvenons à reconquérir le monde. Soit les créatures qui l'ont envahi finiront par nous anéantir, devenant ainsi le nouveau fer de lance de l'évolution, et nous reléguant du même coup aux marges de l'histoire. Nous n'avons pas le choix. Il faut reprendre le fief de nos ancêtres par le feu et le fer. Ce monde nous revient de droit, et cette ultime bataille décidera de notre survie. J'ai un signal sur le tableau gauche de ma console. Je vais l'activer. C'est parti. Les gardiens invisibles. Comment tu peux croire à ces conneries? Moi j'y crois un peu, juste... voilà. Colonel, allez dans la salle du réacteur. Il y aura un réacteur principal au centre, à gauche de la salle des commandes. Ok. Un ascenseur descend au rez-de-chaussée. Là, vous devrez monter les escaliers. Activez le panneau avec le gros levier. Est-ce que je suis au max jeu graphiquement? T'adores le post-apo? Tu t'attendais à des graphismes nets? Non, je diffuse en 720 en fait. C'est quoi ce bordel? Graphisme max pour du 720, mais... Mais le jeu est très très mal optimisé, du coup je peux pas me permettre de streamer en vrai. Cette merde sur le sol est sûrement toxique. Et en plus c'est du gaz. On ne sera pas longtemps ici. À ta droite. T'en dis quoi? Tu peux les... Ok. Salut Babki, comment ça va? Encore une fois, je n'ai plus que 10 balles. Donc lui, il fait ce qu'il veut, mais moi, je m'en fous, je trace. Hein. Le medipack,
tant que je trace pas. Mais il a un flingue génial. C'est les baguettes de riz. Ouais ouais, c'est la version Redux là. Je t'en sors très très bien, papy. Ça, j'avais pas vu. Ok. C'est quoi Redux? C'est le nom de la version en fait qui a été réédité quelques années plus tard, qui contient bah justement Metro 2033 et Metro Last Light, sa suite. Et c'est une version un petit peu améliorée au niveau des graphismes et tout ça. Le système est automatisé, colonel. Actionnez la commande. C'est à faire. Je pensais pas que ce serait si con. Papy, actionne la commande, s'il te plaît. T'as été entraîné pour ça. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air simple. Un idiot pourrait l'utiliser. Enfin, voyons pour que ça marche. Tout va bien, colonel. Ok, j'ai pas mal de balles de fusil à pompe. On y va. Suivant. C'est quoi le problème? Maintenant ce truc s'y passe. C'est de pire en pire. Système d'activation manuelle hydraulique. C'est pas vrai. Artyom, tu vas avoir du mal à croire ce que tu dois faire. Tu vois la grue sur le toit? Arrive jusqu'à la cabine. C'est un système d'activation de secours. C'est maintenant ou jamais! Oui, c'est on dit que c'est maintenant. Ah, t'as confondu avec Metro Exodus? Alors, Metro Exodus, pour le coup, il est pas encore sorti, on est d'accord, hein, il sort cette année, il sort à la fin de l'année, si je dis pas de bêtises, mais il est pas encore sorti. Non. J'ai mal. Ok, voilà la bonne commande. Salut Jason, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Bon, ça a fonctionné, oui. Zone de contact atteinte. Zone de contact atteinte. Et qu'est-ce que vous, je fasse?
ça va aller. Alerte. Extraction de la barre en cours. Droite là, encore un petit peu. Ah, le bug. Je sais pas si c'est scripté. Pas du tout si c'est scripté là. J'y suis presque. J'espère que je vais pas crever maintenant. Alerte. Extraction de la barre en cours. 100%. Donnez-moi une minute. Je me demande si la bouche d'égout est pas... Ok. Pas grave. Là non, ça s'est refermé, c'est ça? C'est pas non, c'est vrai. Bien. On a pas de chance d'avoir perdu l'ascenseur. Dieu merci, l'an passé, ils construisaient tout en double. On devait avancer par là pour l'instant. Ok, ça me va. Il faut juste mieux se préparer. On va s'occuper de tes cendres d'abord. D'accord. Ok, l'heure est venue de remonter à la surface et cette fois, nous sommes fin prêts. Ullman dit en plaisantant que la terre tremble sous nos pas, mais j'ai vraiment l'impression de la sentir trembler. Après tout ce que nous avons vécu, rien et personne ne pourra nous arrêter, l'ennemi sera vaincu et nous le réduirons en poussière. Comme tous ceux qui se sont dressés sur notre route, une chose m'échappe cependant, pourquoi les sombres ne cherchent-ils pas à nous arrêter? Sommes-nous sur le point de tomber dans une embuscade? Certains les étranges prémonitions qui m'assaillent se font de plus en plus menaçantes. Et salut! Non, j'ai pas vu qui... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, bougez pas. Voilà, ok. Tac, salut Yaras. Yaraski, merci beaucoup pour le follow. Ok papy, c'est bon, je suis prête. Bon choix, colonel. Cet ascenseur vous enverra tout droit à la station. Tout baigne et tout est sous contrôle. Même si j'ignore pendant combien de temps. Retournez au point de départ. Ullman vous y attend avec un cadeau. Peut-être jusque là, on n'a pas eu pour l'instant de... Écoute, Artyom. Notre héritage, notre futur, il y a tant de pouvoir ici. Grâce à ça, on va régner sur la Terre de nouveau. On n'aura pas à vivre comme des rats. Avec le feu et l'épée, on fera revenir le ciel et le soleil. On pourra revenir à la surface, au milieu des décombres, rebâtir les villes, et les tunnels du métro retrouveront leur gloire d'antan avec des trains rapides et argentés. Tout sera... Oui. Ce sera quoi? Alors, colonel, ça fait quoi d'être un super-héros? Tu m'emmerdes avec tes blagues. Si t'avais vu ce qu'il y avait en bas. Ok, on se disperse pas. Avec Artyom, on va à Ostankino pour corriger la visée. Toi, tu restes ici et tu défends Vladimir. Je parierai pas sur nos chances de réussite, mais essaie de contacter nos gens et de demander les renforts près de la tour. Je resterai en contact. Les ordres sont clairs. Bien. Artyom, on y va. Bonne chance, les gars. Artyom, tu prends le système de guidage. Ouais, bien sûr. Que je suis pas censée être dans le métro. J'arrive, hein, chef. C'est ça. Ok. Tu te mets dans la merde jusqu'au bout pour sauver le monde. Ok. Et tout le monde s'en fout.
Melnik et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostankino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Ça sent la fin. Oh, ça sent vraiment la fin. Salut, Score. Content de vous voir, colonel. Waouh. Vous avez entendu ça? Okay. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là on est revenu okay, sur. Ok. Ça compte 6 balles, ok, ça devrait le faire. Enfin, voilà. J'espère. Ah, j'ai un succès tueur de hurleur. Monster Hunter, ça dérange, mais pas ça. Ouais, Monster Hunter, j'aime pas parce que c'est le but du jeu de tuer des mobs et du coup, je trouve ça trop nul. Là, je suis obligée pour survivre. Donc, ça fait partie des côtés chiants, mais c'est pas la mécanique principale non plus. Hein. Salut Mister Gage d'ailleurs. Salut Nayon, comment ça va? Je suis prêt, je t'attends, mais je prends peut-être pas le. Et on a un sale coup. Ok, attends. C'est bon. Ok, il est où, papy? Papy? Non, il est pas là. Mais il est où? Très bien, go, go, go. Salut Nedara, comment ça va? Attendez, bougez pas, vous, je sors. T'es où? Il a l'air d'être là, il a l'air d'être passé par la maison, mais je vois pas où est-ce qu'il est ressorti. Là. Arthur, c'est pas fini, retournez!
Désolé. Allez, allez, on va y arriver! On est invisible. Et on a un sale coup. Ouais, moi je te propose que moi je trace et toi tu fais ce que tu veux, papy. Hein. Artyom, ici! En plus, il a clippé. Bah bravo. Papy est très en retard ou c'est moi qui suis pas au bon endroit ? Moi qui suis pas au bon endroit, mais ceci dit, ça y ressemble quand même, non ? Elle est là, mais je... Je suis désolée, Léo. Tu disais ça sur la fin, je suis à combien d'heures de jeu ? Dépêche-toi de venir par ici. Par ici, où ? Si c'est pas là, et si c'est pas là... C'est pas là, on est d'accord. Je vais prendre gâcher mes balles. C'est pas là non plus. J'arrive pas à voir où est papy, c'est terrible. Pourtant je l'entends, mais... S'il est pas là-bas, on est d'accord. Hein. Mais pourquoi lui m'a dit de venir là hein. Je peux pas venir là-bas. C'est bizarre, est-ce que je serais allée trop vite pour lui? Est-ce qu'il m'aurait pas suivi? Oh bah non quand même. Vous qui avez déjà fait le jeu, il y a quelque chose que je fais mal là ou pas? Ah là peut-être. Mais tout à l'heure j'arrivais pas à sauter ici. C'est bon, je crois que c'est ça. Et comment ça, j'ai pas de clé? C'est terrible, je vois pas. Vous voyez ou pas? Parce qu'à part cet ascenseur là, mais je peux pas appuyer sur aucun bouton, je peux rien faire. Je peux pas aller par là-bas. Je peux pas monter non plus. Et pourtant là il y a pas de secret, hein. C'est du tout droit. C'est complètement par ici. La limite par ici, mais je vois pas comment là. Parce que là, on est d'accord que je peux pas du tout passer. Hein. Non, je suis complètement bloqué. Aucune idée. Je vois pas. C'est bizarre. Pourtant, ouais, on est d'accord. Hein, ce serait très clairement ici, comme si ce serait peut-être en plus haut, peut-être. Mais j'ai dû aller trop vite. Et papy, il est bugué. Tu crois que je devrais aller revenir sur mes pas? Ou alors je suis allée trop doucement, ce qui est possible aussi. Hein. C'est plus simple que ça normalement. Ouais, j'ai peut-être rechargé. Hein. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait slash pas fait. Enfin, pas fait slash mal fait plutôt. Ouais, bougez pas, attendez, je vais recharger au point de contrôle. Ok, désolé pour ça. Salut Playvolt. Ouais, j'avais pas vu ouais, ce que je vais faire, je vais recharger. Hein.
Ok, donc il est là. Très bien, go, go, go! Artyom, inspecte cette pièce. On y est, pièce! Pouf! On aura plein d'histoires à raconter. Il est parti devant, il est là. Ok, c'est bon. On est invisible et on a un sale goût. Sérieusement. Bah merci papy. Hein. Hey. Allez, allez, on va y arriver. Ouais, bon, pas sûr là. Hein, Inspecte cette pièce. Ok, donc. On aura plein d'histoires à raconter. Allez, papy. Allez, papy, avance. On est invisible et on a un sale. Non, papy, allez, on y va. Mais non ! Je crois que j'ai un problème de spawn de mob en fait. Il y a un mob qui spawn à l'intérieur de moi au moment où je passe. Si, il y a du cac, mais là, la tête du cac, quoi. Hein. Ah ouais, papy est complètement bugué. On aura plein d'histoires à raconter. Limite envie de le laisser passer devant. Hein. Ouais, je vais le laisser avancer tout seul. Hein. Le problème, c'est que j'ai l'impression que si je lui colle pas au train, il avance pas. Allez, papy! J'ai un complet bug. On est invisible. Allez, on va y arriver. On a un sale coup. Artyom, inspecte cette pièce. On y est presque. On aura plein d'histoires à raconter. Ok, je tente un truc. Papy, fais-moi plaisir, va dans le bon sens, s'il te plaît. Putain, je vais chercher le jeu. Oh, je vais peut-être relancer le jeu, excusez-moi. Je vais relancer le jeu, parce qu'à mon avis, là en fait, j'ai un mob qui spawn et qui spawn sur moi. Donc c'est très bizarre. Attendez, ne bougez pas, hein. vous n'avez rien vu. Voilà, je vais vous remettre un petit peu de musique. Je vais relancer le jeu. C'est très bizarre, hein. Ouais, les dialogues se chevauchent, là, je pense que, ouais, c'est un problème... De script en effet. Ok, on est parti. Ok, salut Deus, comment ça va? Salut à Wahoo d'ailleurs. C'est complètement la voix de Sully, ouais, ça, on se faisait la réflexion. Nous avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostankino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Bah, c'est oui, c'est bizarre qu'il me one-shot, hein. On est d'accord. Alors, je vais tenter un truc, c'est de le laisser rentrer là-dedans en premier. Artyom, inspecte cette pièce.
je vais inspecter la pièce. Ah bah tiens, ça je l'avais pas vu. On aura plein d'histoires à raconter. Voilà. Ah c'est marrant, c'est pas... on loot pas la même chose à chaque fois. Allez papy. On est invisible et on a un sale coup. Le moment de vérité. Ok, ça a l'air plutôt normal là. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Sur console, le jeu bug pas comme ça, mais je pense que du coup, ça va vraiment m'encourager à faire le last light sur PS4, on aura beaucoup moins de soucis. Hein. Je crois qu'on aura plein d'histoires à raconter, ouais. Qu'on est invisible et que... on a mauvais coup. Voilà. Ok, c'est ça qu'on n'avait pas. Donc, je vais juste me permettre. Ouais, un moyen d'arriver en haut. T'es un éternel optimiste, Melnik. Plus facile à dire qu'à faire. C'est très bizarre de plus avoir de clés. Pourtant, j'avais l'impression d'en avoir looté, mais bon. Soit. Et là, on nous dit qu'il n'y avait rien. Bon, j'ai une idée. On n'a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contrepoids de blocage. Ok, malgré les difficultés que nous rencontrons, nous gravissons peu à peu la tour. Nous sommes venus des profondeurs de la Terre pour dévaster les cieux. Mais les nuages de plomb forment autour de nous des murs impénétrables. Les marches sont en piteux état et s'effritent sous nos pieds quant au vent. Il est si fort qu'il menace de nous écorcher vif. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, notre place est en bas. Ok. Les portes ici sont fermées. Est-ce qu'il y a moyen de monter là-haut? Non, je pense pas. Par où est-ce que je suis passée? Par où est-ce que je suis venue? Par là. Ok. Ok. Salut Kiliana, comment ça va?
J'en ai riche en émotion. Moyen de Draker, j'en ai riche en émotion. Oh mince. J'espère que ça va aller. Bon, si jamais, hein, je doute que t'aies envie de le partager, mais en tout cas, si jamais, tu sais qu'on sera des oreilles attentives, courage. Là. Derrière toi, Artyom ! Non, je regarde pas. C'est bon, ok, on y est. Salut Chloé. On vient juste de repousser quelques démons. On continue de monter. À toi, Melnik. Tire, Artyom. Artyom, Melnik, à vous. Tire. Ah ouais, je te comprends totalement qu'il y a... Enfin non, je te comprends pas du tout parce que je passe pas par là et quelque part... c'est pas plus mal pour l'instant, mais bon courage en tout cas. Ouais, je pense que... On vient juste de repousser quelques démons. Ouais, on pourra juste compatir. À toi, Melnik. Artyom. Je tire peut-être trop tôt. Artyom, Melnik, à vous. Tire. Ok, c'est bon. Ouais, on pourra vraiment que compatir la norme. Kylianna, pardon. Ça va? À toi, Ullman. Je suis blessé. Reste en contact avec Artyom. Terminé. Bien sûr, colonel. Terminé. Ok, oui. Un système de guidage. Tout repose sur toi à présent. Ouais. Oui. Oui. D'accord. Ok. Ok, je vais passer par là. Salut Adeline. Oui, t'as loupé pas mal. Je pense que t'es arrivé un petit peu à la fin, malheureusement. Parce que tu vois, on a... Je sais pas si t'étais là au tout début, mais là, on a carrément... tu sais, on a bouclé, en fait. On a rebouclé par rapport à... Par rapport au début du jeu. Ah voilà, nous on arrive d'ici. Et on doit sûrement aller là. Vas-y Artyom. Voilà, au cas où vous l'auriez oublié, le héros s'appelle donc Artyom. Et il refuse de descendre dans le petit trou, pourquoi ? Merci Trias, je te fais des gros bisous. Est-ce que c'est toi le Trias qui s'appelait Trias, peut-être Trias 2, je ne sais plus, et qui a changé de pseudo, ou est-ce que tu es un Trias complètement différent? Bon bref, quoi qu'il en soit, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Toujours à la bibliothèque? Non, justement, on a essayé, on est parti de la bibliothèque. Pourquoi? Ah, c'est peut-être qu'il est arrivé par ici. Alors attendez, bougez pas. J'essaye de reconnecter. Lui, il a dû arriver par là. Il a dû m'attendre là. Et du coup... Ah bah non, si c'est ça, hein. Si, c'est donc bien ça, il faut que je vienne ici. Oui, c'est moi, merci pour tes streams. Bah attends, merci beaucoup pour ton soutien, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien, du coup. Vous avez le changement de pseudo... vous faites beaucoup de changements de pseudo en ce moment, du coup. Ah là, c'est bon, ok. Du coup, à chaque fois, j'ai peur de pas vous reconnaître. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je veux pas les vieux nocturnes. Non. Je veux juste ranger ça. Voilà. Ok, mais Kylianna, bah, si jamais, j'espère que le stream va te remettre un petit peu de... Va te remettre un petit peu d'aplomb, là, que ça va te mettre un petit peu de baume au cœur. Vous sentez que je t'attends là. Non. Ok, c'est bon. Je m'étais bloqué dans la texture, mais c'est bon. Là, on m'appelait Drake, roi du monde, pour info.
Faut que je descende là? Non, pas du tout, non, il fallait pas que je descende, il faut que je monte. Punaise, mais attendez, je l'ai pas du tout là. Si c'est pas cette, c'est pas cette porte, on est d'accord, qui est juste une porte. Ouais, ça c'est une structure, j'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici non plus là. Parce que je peux pas passer. Non, ah, il y a une échelle. Oh, oui, d'accord. Ok. J'avais pas vu, merci beaucoup. Allez, Artyom, j'avais pas vu l'échelle. Introduction des QTE à 10 heures de jeu. Voilà. Merci Guyliana, je te fais des gros bisous. Merci. Ok, non, c'est bon, j'étais au bon endroit. Pas bien solide comme échelle, non, mais bon, là, elle a été fragilisée par des années et des années de... de non-entretien, donc ouais, elle est... Moi, je l'aurais pas monté, mais bon, après... Il est là. Il apporte la mort. Artyom, quelque chose brouille le signal. À toi, Artyom. Il est venu nous détruire. Ah. Bah, j'aime pas quand les gens disent il est venu nous détruire, parce que du coup, ça j'ai de la peine et je les épargne. Parce que je me dis, mais non, je suis pas venue vous détruire. Ça, c'est parce que j'étais... J'ai du chocolat au lait à la place du cœur, alors du coup, ça fond très très vite. Ok. Est-ce qu'il y a une intelligence commune à toutes les bestioles, genre les zergs? Eh ben, on sait pas du tout en fait, on a très très peu de lore là dans le jeu par rapport à... Bah, par rapport aux petites bestias, sinon qu'on sait que bah c'est... Par rapport aux voix, on sait pas, on sait qu'ils auraient muté, mais... Oh. Yo. Oh. Merde. Attendez, bougez pas, je la refais. Pardon, excusez-moi, je la refais. Et il y avait un mob qui... d'accord, qui était là. Alors attendez, bougez pas, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis seule désormais, c'est à moi qui incombe la tâche la plus importante. Je n'ai plus personne à qui demander de l'aide ou confier cette responsabilité. Le sort de la race humaine et des sombres est entre mes mains. Mais chacun de mes pas fait vaciller mes certitudes, chaque pas fait naître en moi de nouvelles questions auxquelles seul Khan pourrait répondre, mais Khan n'est pas là. Je suis seule au sommet du monde. Et je vois des choses que je ne pourrais voir nulle part, j'entends des choses que je n'aurais pu imaginer. Je sens la présence des sombres, je les entends. D'étranges images envahissent mon esprit, des pensées qui me sont étrangères s'immiscent en moi. Je sais que les sombres peuvent se glisser dans l'esprit de leurs victimes pour les faire basculer dans la folie. Sont-ils en train de me manipuler? Je dois tenir bon, je dois verrouiller les missiles, espérant que j'en sois encore capable. Là, l'idée, c'est... ouais, c'est de... Punaise, je vais pas y arriver, excusez-moi, mais c'est la phase me stresse, du coup je me crispe et je me prends dans le décor, visiblement. Ok. Voilà.
j'apprécie beaucoup leur philosophie quand même. Si on est à cause de la guerre nucléaire, la solution serait encore plus de bombes nucléaires. Ouais, bah. C'est vrai, ils veulent se protéger. Ils veulent se protéger dans le métro, quoi, parce que l'idée c'est qu'ils sont en train de. Il faut l'arrêter. Merci du pain de la part, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour le sub. Là, ça m'en a mis conscience, là. Il est stressant ce passage, ouais. Je pense que je suis carrément à la fin, hein. Le signal est parfait. Tiens bon, encore une minute et on les aura. Après, si vous voulez me dire un truc, c'est maintenant. Nous t'arrêterons, arrêterons. Nous ne pouvons pas le laisser. Nous le détruirons. Oh non. Sérieusement. Salut Tikev, ça va bien et toi? On bat le feu par le feu et techniquement, salut démoniaque. Le seul but ici, c'est de rayer la carte de la carte à tout un tas de saloperies. Donc bon, oui, bien sûr, on est d'accord. Alors ça, j'y crois pas. D'accord, donc c'est... ok. Nous ne pouvons pas le laisser ici. Nous t'arrêterons, arrêterons. Salut Gobalt. Nous ne pouvons pas le laisser. Rends-toi. Vous savez quoi si je me rends? Il faut le détruire. J'ai peut-être mourir, hein, mais. Je meurs. En effet, je meurs, d'accord. Donc y a pas 50 000 passages là, je pense que. Les saloperies, pas sûr. Mais en tout cas, disons que d'un point de vue roleplay, c'est exactement ce que pensent les gens du métro. Puisqu'ils ne savent pas ce que sont les sombres. Pardon, excusez-moi, du coup, je... Ah, dès que c'était pas lui... Ah. C'est de l'autre côté. Et donc là, c'est complètement scripté, hein. Nous t'arrêterons.
arrêter. Allez-retour. Ok, je suis toujours en plein délire. Ok, j'ai tenté, mais... Il faut le détruire. Il faut l'arrêter. Oh, merci Xenoris, je te fais des gros bisous, attends, je... J'arrive, je fais passer ça juste après, merci beaucoup. Ouais, si, c'est bon, ça passe. Il est venu détruire ta carte graphique. Mais en fait, pourquoi Arstom a des visions, en fait on sait pourquoi. Alors, on sait pas vraiment pourquoi il a des visions. Il y a des croyances, en fait, autour de ça. Mais de manière roleplay, hein, de ce qu'on sait dans le jeu. Il y a des croyances, en fait, autour de ça. Mais ouais, il sera très loin. Ce passage est très long. Allez, Arthur. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Il faut le détruire. J'imagine que j'ai pas vraiment le choix. Il faut l'arrêter. Il faut le détruire. Ouais, j'ai pas du tout, le choix. Procédure de lancement en cours. Artyom, les missiles sont en vol. T'es sûr de devoir le tuer? Non. Thank you.
Un homme sage a dit « Celui qui mènera une guerre pour l'amour de ses semblables vaincra ses ennemis. » J'avais mené ma guerre pour protéger ma famille, mes amis et mon foyer, le métro. On avait gagné. Mais aujourd'hui encore, je me demande, lorsque nous avons éliminé les sombres de la surface de la Terre, avons-nous aussi perdu quelque chose ? Oh, j'essaierais bien de me faire l'autre fin, parce que j'imagine que l'idée, c'est qu'on choisit de tirer ou pas, mais j'aimerais bien voir si, à tout hasard, je peux pas revenir au dernier point de contrôle, je pense pas, hein. Alors, je suis désolée, je vais faire un truc que j'aime pas trop faire, c'est passer les crédits, parce que j'aime bien... J'ai choisi la fin bourrin. Alors, du coup... Est-ce qu'il y a une fin pas bourrin ? Ça m'intéresse. Est-ce que si je continue, j'arrive au sommet ? Melnick et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivés près de la tour Stankino. Si ça vous va. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le... Nous ne pouvons pas le laisser. Ça doit être là. Il faut l'arrêter. Ok, donc on revient ici. Il faut le détruire. Yep. Rends-toi. Si l'adversaire est hostile, tue-le. J'imagine que je peux choisir de ne pas tirer. Rends-toi. D'accord, pour la slide, c'est cette fin-là qui est utilisée. D'accord, il y a peut-être autre chose à faire dans le jeu pour avoir l'autre fin. Mais attendez, j'allais juste regarder si... Je pense qu'à mon avis, il va me tuer, mais... Il faut le détruire. Écoutez, ouais, à partir de ce moment-là, du coup, il me reste qu'un seul choix. Hein. Très clairement, il me reste un seul choix. Et bien écoutez, je vais retourner au menu principal. On a enfin vu la fin de ce métro, c'était extrêmement laborieux. C'était assez terrible, mais en tout cas, on en est venu à bout. Il est à peu près minuit. Donc, j'ai fait une petite session de 3 heures. Alors oui, on peut la regarder sur YouTube, je pense même... Si je ne dis pas de bêtises, si vous voulez voir la... Ah ouais, mais quoique non, je suis pas sûre qu'il y aura le petit blabla. Il y aura peut-être la vidéo, mais pas le blabla qui va avec. Concrètement, il y a des choses à faire pour avoir l'autre fin, d'accord. Ne pas tuer, ça en fait partie, d'accord. Et ça, du coup, ça... Ouais, j'ai tiré, Adeline, j'ai essayé de ne pas tirer, mais ça change rien, en fait. J'arrive à un moment où je suis obligée. Mais... voilà, c'est pour ça que je pense que les... On se posait la question, vous savez, à propos des morts non létales. Des neutralisations non létales, et du coup bah j'imagine que une partie de la réponse se trouve dans cette histoire de karma. Est-ce qu'il y a une autre fin avec Last Light? C'est à voir. Alors encore une fois, donc je suis très sincèrement désolée pour tous les problèmes d'optimisation qu'il y a eu par rapport au jeu. Là vraiment ça me dépasse parce qu'il était pas il était pas hyper bien optimisé. Pour Last Light, je suis allée chercher ça aujourd'hui, enfin je le cherchais pas vraiment, en fait je suis juste tombée dessus dans un bac chez Micromaniazing pour un prix que somme de 19,99€. Je suis tombée sur cette petite occasion dont la boîte est absolument dégueulasse, mais bon c'est pas grave, c'est juste une boîte. Le CD en revanche, lui, est complètement nickel, donc personne qui a pris soin du CD, merci beaucoup. Et donc c'est la version Redux justement de Metro 2033, donc le premier, et Last Light le second.
Et je pense que ça va peut-être... Alors, je vais peut-être perdre en skill, sachez-le, voilà. C'est-à-dire qu'on n'aura pas droit à des beaux tirs de snipe dans la tête, les uns après les autres, comme ça, sans s'arrêter de manière absolument exceptionnelle. Non, ce sera beaucoup plus brouillon, mais ceci dit, peut-être que ça m'obligera à jouer... comment dire, à jouer peut-être plus fufu et moins létal aussi. Et puis ça nous permettra aussi de profiter de l'expérience complète. Voilà. Donc Last Light sur PS4, je pense qu'on partira sur Last Light PS4 si ça vous va en tout cas. Je vais pas le tester sur PC avant. Je vais essayer de voir Warhead, mais donnez-moi vos retours d'ailleurs à propos de Last Light, parce que je sais que pas mal de gens qui avaient fait le 2033, donc le premier opus, m'avaient dit que vous aussi vous aviez quelques problèmes, notamment des problèmes de crash et des problèmes de bug, et pas forcément... Enfin voilà, disons que l'optimisation, enfin la mauvaise optimisation faisait malheureusement partie intégrante du jeu. Est-ce que c'est pareil pour Last Light? Est-ce que je choisis le côté un petit peu safe en privilégiant une version sur laquelle j'aurais forcément moins de skill, ou bien est-ce que je tente le PC? Je sais pas, dans tous les cas je l'ai acheté sur les deux, donc voilà. Salut Skyfisher, donc ça passera crêpe sur PS4 tu penses? Bon bah écoute, on va tenter en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette petite session vous a plu. Je vais peut-être pas enchaîner directement sur la slide parce que je ne l'ai pas encore installé, mais écoutez, alors demain ce sera du Overcooked avec ma maman, si ça vous va, la suite d'Overcooked 2 qu'on a commencé, et normalement, alors attendez, là on est mercredi, demain on fait du Overcooked et... Après, on sera vendredi. Je vous propose de commencer vendredi soit No Man's Sky, soit Metro Last Light. J'ai complètement envie de le commencer. Voilà. Mais sincèrement, j'ai complètement envie de commencer le Last Light parce que... Alors, vos retours, si vous avez suivi un petit peu le stream, si vous ne connaissiez pas du tout, enfin, si peut-être comme moi, vous connaissiez la licence de nom, que vous étiez passé à côté lorsque le 2033 est sorti, enfin lorsque l'adaptation de Metro 2033 est sortie, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ce stream? Et salut Eleanor, comment ça va? Ah, le retour du stream avec maman de Mary. Oui. Et Eleanor d'ailleurs. Attends, vous savez quoi? Je vais d'abord quitter la VOD et après je vous parle en live. Pour les gens qui regardent la VOD, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour tous les problèmes qu'il y a eu au niveau de la VOD. J'espère que c'était pas non plus insensé à regarder. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau jeu. Ce sera du Metro Last Light ou bien ce sera du No Man's Sky. Voilà, toujours est-il qu'en attendant, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.